L'Opéra Comique présente Clara et les Sortilèges. Une histoire écrite par Stéphane Michaka, produite par Narrative, en partenariat avec Bayard. Premier épisode, le nouveau. Aujourd'hui, il y a un nouveau qui est arrivé dans l'atelier costume. Bonjour, je suis stagiaire. Et ça me plaît pas du tout. Je m'appelle Néo. Ah mais oui Néo, je t'attendais. Alors tu vas te mettre là. Moi, c'est Clara. Clara. Et l'atelier costume, c'est comme ma maison. Clara. Oui maman. Elle va quand même pas me demander de lui faire visiter. Tu peux faire visiter à Léo, c'est le stagiaire. Je peux pas, je fais ma teinture. La teinture végétale, c'est juste de la magie. Tu prends ce que tu veux, dentelle, foulard, ruban. Tu trempes ça dans une cuve de teinture bouillante, et quand tu le ressors, le tissu est 10 fois plus coloré, vivant, prêt à être illuminé par 100 projecteurs. Ça tombe bien. Ici, on est dans un théâtre. Clara ! Un des plus beaux du monde. Clara ! L'opéra comique. Clara. Boum. Allez, suis-moi, je t'emmène. Ok. Je sais pas vous. Mais je trouve que le nouveau, il a l'air un peu bébête. Il est en marbre, l'escalier ? Non, en marshmallow. Bien sûr qu'il est en marbre, qu'est-ce que tu crois ? Quand il sourit, il est plutôt mignon. Mais je veux pas me laisser attendrir. Il dure combien de temps, ton stage ? Une semaine. C'est court, hein. Tant mieux. Je veux dire, ce sera trépidant, comme tout ce qu'on fait à l'opéra comique. Mais comique, parce que les spectacles sont drôles ? Non. Comique, parce que dans nos opéras, quand on ne chante pas, on parle, on joue la comédie. Salut Manon, salut Carmen. Pourquoi tu fais un pas de danse ? Je danse pas, je cherche à qui tu as dit bonjour. Et je vois personne. Là, au-dessus de nos têtes, les statues. Ce sont les célèbres héroïnes de l'opéra comique. À gauche, Carmen, avec son éventail et ses grandes boucles d'oreilles. À droite, Manon, qui tient un masque et fait une révérence. Tu as vu ? C'est les nouveaux. Encore ? Clara va les dégager vite fait. Et tu leur dis bonjour aux statues ? On sait jamais. Une sculpture, c'est pas que du plâtre. De même qu'un costume, c'est pas que du tissu. Bon, on remonte ? Bonjour ! Je vous dérange pas, c'est Léo le nouveau. Il part dans 5 jours. Donc, comme tu vois, ici on fabrique costumes, perruques, accessoires. Notre atelier costume est un lieu unique dans la capitale. C'est bien simple, tout le monde nous l'envie. Il occupe le dernier étage du théâtre avec 3 niveaux reliés entre eux par un tas d'escaliers, passerelles, monte-charge. Je me donne l'air sérieux, expéditif. Je veux pas qu'ils sentent qu'ici, c'est juste une féerie. Waouh, tous ces tulles suspendues. Rose, bleu, pailleté. On dirait des tutus qui flottent dans les airs. Faut bien qu'on les accroche quelque part. On manque de place ici. Voilà, fais ta blasée, ta revêche. Sinon, il va vouloir s'incruster. Là, c'est l'espace couture. Là, l'espace coupe où ma mère est chef d'atelier. Et attends, c'est quoi ça ? Une broyeuse à confetti. Pour les costumes trop usés. Tu places la manche de chemise ou la jambe de pantalon ici. Tu appuies sur le bouton et... la broyeuse recrache le costume sous forme de confetti. On les utilise dans les spectacles, pour les scènes de fête ou de mariage. Astucieux. Ici, tout est recyclé. 0 déchet, 0 gaspillage. Je gaspille ma salive, moi. Vivement qu'il s'en aille. Léo l'incruste. Les épaulettes, les zips.
Oui, ici l'écrin plat, là les élastiques à boutons. Eh hey, mais ils sont beaux vos rubans velours. Et les passepoils, les dentelles fines, et les pompons à franges. Mais j'ai jamais vu des galons brodés aussi jolis. Je l'ai peut-être mal jugé. On dirait qu'il touche sa bille en couture. Mesdames et messieurs, fin de la pause dans 5 minutes, tous les artistes en scène. C'était quoi cette voix? Oh, ça, c'est la régisseuse de scène. La grande salle communique avec notre atelier à travers ce haut-parleur. On demande une habilleuse au plateau en urgence, merci. Bon, je remonte à l'étage teinture. Je peux rester ici? Faire quelques plans de couture? Mais non, maman dit que tu es là pour observer. T'as le droit de rien toucher. Si, si. Ta mère a dit que je pouvais faire des retouches. Sur les costumes d'occasion dans la réserve. Tu es sûre? Ça m'étonne. Bon, puisqu'elle a dit que tu pouvais. Mais je t'ai à l'œil, mon gaillard. Au moindre accroc, Léo, tu dégages. Si tu me cherches, je suis au-dessus, près de mes chaudrons. Tes chaudrons? Et puis ma teinture. De l'espace teinture, on peut voir ce que font les couturières à l'étage du dessous. Je m'étais fixée de surveiller Léo, mais je me suis endormie. Des bulles s'agitent dans le chaudron. Je me réveille en sursaut. Oh non! Mes rubans de chapeau ont fondu. C'est là que du coin de l'œil, j'aperçois Léo qui plante une aiguille dans un costume. Une voix s'échappe du tissu. Je descends hélico pour en avoir le cœur net. Enfin Léo, qu'est-ce que tu fabriques? Il est là, en train de se débattre avec la robe. Il est tout effrayé. J'ai fait un point de raccro et... Et quoi? La robe... Elle s'est mise à chanter. Non mais tu me prends pour une cruche. Sauf qu'il dit vrai. La robe chante Carmen de Bizet. C'est plus Léo l'incruste. Quoi? C'est Léo le magicien. Jamais connu de loin. Fin de l'épisode 1. À suivre. Parce que je le vaux bien. Non, Manon. Si toi qui nous écoutes, tu le veux bien. Oh, pardon. Si tout. Tu peux répéter, Carmen? Juste écoute la suite. Si tu le veux bien. Voilà. Mais je le vaux bien quand même, non?